Salut à tous. Dans cet immense jardin, il y a plein d'abeilles sauvages, dont celle que je tiens entre les doigts. C'est un mâle d'abeilles charpentières. Celui-là, il est petit, mais c'est la plus grosse abeille de France. Elle peut faire 3 cm. Et la plus petite abeille de France, elle tient dans son œil, elle fait quelques millimètres à peine. Je vais le relâcher. Voilà. Tout le monde connaît l'abeille à miel, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. En tout, il y a 1000 espèces d'abeilles sauvages en France. Ce qui est important de dire et de savoir, c'est que toutes ces petites abeilles, la majorité d'entre elles, en fait, elles sont solitaires. On dit qu'elles sont terricoles, elles vivent dans des petits trous dans le sol. Parmi ces 1000 espèces, il y a un cinquième, eh bien, ce sont des abeilles coucou. Elles ne récoltent ni pollen ni nectar. Et en fait, elles squattent, elles pondent leurs œufs dans le nid que construisent les abeilles sauvages. Il faut aussi dire que ces abeilles sauvages souffrent parfois d'une trop grande densité d'abeilles à miel. Elles se font évidemment concurrence et on va raconter cette histoire dans un des épisodes de cette nouvelle série de Mécanique du vivant.